Bonjour à tous! Ben voilà, je suis de retour. Euh, on enchaîne, j'ai mon café évidemment, et on enchaîne avec les modals en anglais. Modals, ce sont les verbes de modalité euh, que vous avez peut-être déjà vu en irlandais. C'est quoi? C'est pas juste le verbe par exemple jouer, c'est je peux jouer, je veux jouer, euh, je dois jouer, euh, et, etc., etc., etc. Donc ce verbe devant. Voilà, c'est le verbe de modalité. Et on va commencer par être capable en anglais. Et on sait déjà qu'en français, ce n'est pas évident non plus. Parce qu'il y a une différence en français aussi entre je sais jouer et je peux jouer. Hein. Je sais jouer, ça veut dire je suis capable. Je peux, ça veut dire j'ai la permission. Et donc ici, je vais surtout parler de être capable. À la fin, je vais juste mettre. Euh, Quelque part, oui, je ne sais plus où, mais je, je vais mettre aussi euh, permission. Mais donc, capable. Alors, euh, il y a certaines choses pour rendre, les, pour rendre ça plus facile, vous devez mettre certaines choses dans votre liste de vocabulaire. Sinon, c'est trop compliqué de retenir toutes euh, les règles. Mais alors, on sait, je pense que ça, vous savez, qu'on peut utiliser en anglais I can and I could. Le problème, c'est que ces deux verbes, donc, je sais jouer au piano i can play the piano c'est le présent on est bien d'accord ça c'est pas difficile si on veut mettre ça au passé ben avant je savais jouer au piano c'est i could play the piano when i was younger imparfait mais c'est quoi maintenant le problème de ce verbe can que je peux utiliser au présent et à l'imparfait c'est que je ne peux pas l'utiliser dans les autres temps donc, je ne peux pas l'utiliser ni au futur, ni le passé composé, etc., etc. Donc là, je vais devoir utiliser to be able to. Être capable de... Vous le voyez ici To be able to. So I am able to au présent. Donc déjà, au présent, si je veux, je peux aussi l'utiliser. Au lieu de dire I can play the piano, on peut dire... I am able to play the piano. D'accord Voilà, ça, je peux aussi écrire. Donc le be hein, devient am, I am. Et c'est donc le able. C'est vraiment comme dire je suis capable de. Vous voyez, la construction est très, très similaire au français. Et donc, au lieu de dire capable, on dit juste able, able. D'accord OK. Donc, ici aussi... Au lieu de dire I could play, on peut dire I was able to play. Hmm? OK. Donc, si vous, vous, vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez faire beaucoup avec le verbe to be able to, parce que can et could n'existent au présent et à l'imparfait. OK. Alors, il y a quand même une toute petite différence entre, parce qu'ici, vous voyez, j'ai écrit I could play the piano when I was younger, et ici, I was able to, ben, je pourrais dire to play the piano, mais ici je dis I was able to visit the Eiffel Tower. Voilà, les deux, en fait, les deux ici euh, sont presque euh, la même chose, sauf que quand c'est quelque chose de spécifique, je utilise was able to. On ne dit pas I could visit the Eiffel Tower. D'accord donc, voilà, si vous avez le courage de retenir ça, able to, c'est pour quelque chose de spécifique. OK. Euh, après ça, euh, les autres temps, c'est d'office. Able to, je n'ai pas d'autre choix. Donc, j'ai mis ici un passé composé. I have been able to play since I was young. Hein? Donc, I have been. J'ai été capable parce que, voilà, c'est le be qui change de temps, hein qui est passé composé au futur, etc. Le B. Et le B, au passé composé, passé c'est composé, ⁇ I have been able to play since I was young. Plus que parfait. Donc j'avais été capable. I had been able to play the piano before the accident happened. Donc avant que l'accident est arrivé, j'avais été capable de jouer au piano. D'accord Futur. I will be able to join you at the party. Je serai capable de te joindre parce que je ne peux pas dire I will can. Ça n'existe pas, ok Alors le conditionnel. I would be able to join if you pick me up. Hein, je serai capable de joindre si tu viens me chercher. Alors avec I should, should, c'est un conseil, I should be able to finish this alone. Hein? Je devrais être capable de finir euh, ça seul. Ok, I should be. Je devrais. You must be able to finish before tomorrow. Tu dois être capable de finir avant demain. Ok? You may be able to finish. May ça veut dire hmm, peut-être. C'est la même que uh, you might. Les deux là c'est la même chose. You may be able to finish if you can find the key to the laboratory. Tu pourrais être capable de finir si jamais tu trouvais la clé du laboratoire. Et même chose. You might be able to finish if you find the key to the laboratory. Donc You may, you might, tu pourrais. Ce serait possible, d'accord? Alors, attention, j'en ai encore trois, donc des constructions où je ne peux pas non plus utiliser can, mais attention parce que après le verbe il y a un to. Je vais ici un peu plus haut. Regardez bien ici les trois constructions. Regardez bien, je prends un peu de café. Et qu'est-ce qui est si important, c'est que il y a aussi un to après le verbe. Parce qu'il n'y a pas en français. En français, on va dire je veux être capable de finir. Mais en en anglais, on va dire je veux d'être capable. I want to. Donc il y a le to, d'accord? I want to be able to finish early today. Je veux être, donc il y a quelque part un tout entre les deux, pas en français. Même chose ici. I need to be able to finish early today. J'ai besoin. Et là, là par contre, en français, j'ai besoin d'être capable. Ouais. Mais en fait, I need to ici, c'est pas vraiment besoin, c'est plutôt, c'est vraiment nécessaire. I need to be able. Euh, il est nécessaire que je sois capable de finir. D'accord I need to. Et un dernier, un dernier, pardon, I like to be able to do it myself. Donc, les trois ici, vous rajoutez absolument à votre liste de vocabulaire pour ne pas vous embrouiller avec les petits tu. Donc, vous mettez une phrase dans votre liste de, gramma, de, de vocabulaire. D'accord Alors, on a aussi euh, être capable après des... Préposition. About. Ne t'inquiète pas concernant, ne pas être capable de comprendre. Donc, ne t'inquiète pas concernant. Ici, c'est une préposition. Pardon. Donc, don't worry about not being able to understand. D'accord Aussi, la préposition of. Est-ce que tu as peur de ne pas être capable de comprendre Are you afraid of not being able to understand Ok. Alors, tu es très fort en ne pas être capable d'arriver à l'heure. Ça, c'est vraiment ton point fort. C'est de t'arranger pour ne pas être à l'heure. Ça, ça veut dire ça. Et en anglais, c'est donc You are very good. At not being able to come in time. Presque fini ici. Je compte sur toi. Donc, avec la, la préposition sur. I count on you being able to come at four. Je compte sur toi pour être capable d'arriver à quatre heures. I count on you. I, non, I count on you being able to come at four. Et alors, on a une dernière construction euh, qu'on n'utilise pas euh, could, mais I managed to. Donc, on peut dire I could open the jar. Uh, jar, c'est un bocal. Je pouvais ouvrir le bocal. Mais si je veux dire que c'était vraiment compliqué et j'ai dû essayer, 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 j'utilise la construction I managed to. I managed to open the jar. En français, je crois qu'on va plutôt dire... Euh, j'y suis arrivé, j'ai réussi à, hein, vous voyez, donc quand il y a une difficulté, je vais utiliser la construction I managed to, hein, l'examen était très difficile, but I managed to uh, succeed, ok, ok, tout ça c'est pour être donc capable et je fais, je rap, je vous, je, bam, 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 désolé. Qu'est-ce que vous devez retenir bah, I can, I could, seulement présent et imparfait. Et le reste, je dois toujours utiliser to be able to. D'accord Alors, maintenant, et ça c'est le dernier point, je vais parler des obligations. Comment je vais exprimer des obligations bah, Des obligations, en anglais, nous avons uh, I must, I have to. I mustn't, I can't, I couldn't, I should, I ought to. Voilà. Ça, ce sont, on va dire, des obligations. Alors, euh, je pense que ce que vous utilisez le plus, c'est must and to have to. Je dois dire que les gens les utilisent un peu, un peu euh, les deux. Mais normalement, I must, c'est quelque chose que tu t'obliges à toi-même. Quelque chose, oh là là, je ne dois vraiment pas oublier. Donc, I must. Et quand on utilise to have to, ben, c'est quelque chose qui est obligé par quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est comme je dis, on mélange. Par exemple, I must visit Paris. Je dois absolument visiter Paris, mais c'est pas quelqu'un qui m'oblige. Je, je m'oblige moi-même parce que je trouve que c'est une ville qu'on doit avoir vue. D'accord? Donc, I must. Problème de nouveau comme can, bah, c'est seulement must, c'est seulement le présent. D'accord? Seulement le présent. Donc, par après, on va dire qu'on va être obligé d'utiliser to have to pour utiliser d'autres temps. D'accord? Ça, c'est important. Must, présent. I must visit Paris. Ok. Alors, on l'a aussi euh, en négatif. I mustn't forget to congratulate her. Je dois absolument pas oublier de la féliciter, mais je m'oblige moi-même. Donc must ou mustn't. Je m'oblige moi-même. C'est quelque chose que je trouve probable que je dois faire, d'accord Ok. Alors. Si maintenant je dis l'autre, donc pas must mais I have to, et parfois on dit I have to, parfois on dit I've got to, mais le got n'est pas obligatoire, donc je peux je peux l'oublier si je veux. Mais donc si je fais la phrase I have to visit Paris, ça veut dire que par exemple mon patron m'oblige, je suis ob obligé pour le travail. Ce n'est pas moi qui trouve que je devrais le faire, d'accord Ça c'est la grande différence. Ok. So, I have to visit Paris. You can't smoke in the school. So, you can't. Ça, c'est interdit par quelqu'un d'autre. Bon, I can't. Euh, voilà, donc c'est une interdiction. Can't. Voilà, c'est aussi interdit par quelqu'un d'autre. Enfin, non pas aussi, parce que l'autre était obligé. Have to obligé par quelqu'un d'autre, you can't interdit par quelqu'un d'autre. En fait, tu n'as pas la permission et c'est pour ça que moi j'entends souvent aussi you are not allowed to smoke, you are not allowed to smoke here. Donc tu n'as pas la permission. Souvent on utilise you are not allowed to. D'accord? Tu n'es pas. C'est comme tu n'est pas permis. OK. Um, you can't smoke. Évidemment, ça, c'est un présent crainte OK. Je peux l'utiliser, alors parfait. Girls couldn't smoke in the past. C'est hein, à l'imparfait. Mais seulement euh, présent et imparfait. D'accord Alors, pour dire tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, you don't have to wear a dress. Tu n'es pas obligé. Si maintenant j'utilise au lieu de don't have to, j'utilise you can't, ça veut dire tu n'as pas la permission. Si je dis you can't wear a dress, tu n'as pas la permission. You don't have to, tu n'es pas obligé. Mettez ça dans vos listes de vocabulaire parce que c'est trop de choses pour retenir comme ça, d'accord? Et alors, le tout dernier, c'est donner un conseil. Donc, pas obliger quelqu'un, mais plutôt dire, hmm, moi, je trouve que tu devrais, et ça, c'est should ou ought to. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu plus souvent should. Ought to va bah, être utilisé aussi. Donc, par exemple, you should go to that party. Tu devrais vraiment aller. You should. La, ça, la même chose. Or to go to the party. Mais là, attention, il y a un tu. Hein? Or to go to the party. Tu devrais. Donc, en fait, au lieu de mettre conseil, je peux aussi dire en français, c'est de vrai. Et ici aussi, c'est de vrai. Mettez ça dans vos listes de vocabulaire. OK. Et d'ailleurs, voilà, ici, j'ai un petit... Voilà. Il y a un petit cadre. Qu'est-ce que je dois retenir Can, could et must. N'existe pas dans d'autres temps. Donc, can, can could, must, c'est juste ces trois-là. Je ne peux pas les mettre dans un autre temps. D'accord Attention, comme j'ai dit, I want to, I like to, and I need to, il y a le to. Attention, pas oublier ça dans votre liste de vocabulaire. Alors, I manage to, c'est quelque chose avec difficulté. You should, you ought to, c'est un conseil. Si déjà, vous savez retenir ça, je vais le mettre dans un petit cadre, c'est déjà très, très bien. Et alors, ça ici, mettez ça dans, certainement ça, dans vos listes de vocabulaire à étudier. Parce que, rappelez-vous, une liste de vocabulaire, on doit étudier juste régulièrement, de temps en temps, juste 10 minutes, 15 minutes. Vous pouvez le faire par quizlet ou une liste euh, écrite à vous de voir, mais... Voilà mes conseils. Bonne chance. Vous savez que vous pouvez toujours me poser des questions ou bien en dessous de la vidéo ou bien par mail. Maybe Miss Aiken help you at gmail.com. Voilà. Gmail.com, pardon. Voilà. Ou bien en dessous de la vidéo. Bonne chance.